Bonjour à toutes et à tous, c'est Ridley Morbeck et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, vous avez bien vu le titre, vous savez de quoi ça va parler. Et pourquoi ce téléphone? Tout simplement, il y a plusieurs raisons à cela. C'est parce que j'avais juste avant ça un Xiaomi Mi 9T Pro et j'étais un peu déçu de la qualité photo et vidéo. Et sachant que j'utilise quasiment ça lorsque je prends des photos ou quand je tourne des vidéos, notamment lorsque je sors, comme par exemple quand je suis allé au Shadow World, eh bien je vous avoue que... ça me gênait un peu. L'autre raison qui m'a poussé à ça, c'est que j'ai voulu regarder des tests sur internet sur le Google Pixel 4 et j'en ai vu beaucoup moins que la version XL, sachant que beaucoup n'ont pas aimé son design, beaucoup n'ont pas du tout aimé son front, son module photo carré, qu'il y en a plein qui ont dit que l'autonomie allait être pourrie. Bah ça m'a poussé à vouloir tester ce téléphone. Voilà, hein, je suis un mec bizarre, ok. J'aime bien souffrir, hein. Moi je suis un maso, ok. D'ailleurs, vous pouvez déjà vous rendre compte de sa qualité vidéo avec une source lumineuse parce que je filme avec le Google Pixel 4. Par contre, pour le micro, pas de miracle. En ce moment, c'est le micro du Pixel 4. Par contre, là maintenant, c'est ce micro-là. Hein, pour preuve, je tape dessus, je parle à côté. Je pense que la qualité est quand même mieux. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer ce Google Pixel 4. On va juste l'essayer un tout petit peu. Je vais le prendre en main, vous dire ce que je pense du téléphone à première vue. Et c'est parti pour l'unboxing du Google Pixel 4. On va faire rapidement un tour du packaging avec à l'avant tout simplement le dos du téléphone avec la mention Pixel 4 et le logo de Google. Au-dessus, seulement un logo de Google. Sur le côté droit, on a la tranche droite du téléphone. De l'autre côté, juste un Google. En dessous, toutes les caractéristiques. Et enfin, à l'arrière, on a une petite image imprimée avec hashtag Team Pixel. Voilà, si vous avez acheté ce téléphone, vous faites partie de hashtag Team Pixel. Allez, c'est parti, on va enlever ces deux petits trucs-là, tout simple. Voilà, pas besoin de couteau. Et on va venir... pof ! Sur le téléphone. Donc on arrive sur le dos du téléphone, on va l'enlever et bien entendu on va le garder pour la fin. Voilà, je le mets juste là. On va enlever la petite protection ici. Qu'est-ce qu'on a en haut? En haut, nous avons tout ce qui est notice et le petit pin pour mettre la carte SIM. Donc je vais l'enlever parce qu'évidemment je vais mettre ma carte SIM. Je n'ai pas le luxe d'avoir plusieurs téléphones en même temps. Ici nous avons du coup les écouteurs. Juste là, le câble de rechargement qui est USB-C vers USB-C. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. On a l'adaptateur USB-C vers USB, où on pourra, par exemple, brancher souris, clavier, manette, ou tout simplement un autre téléphone pour transférer les données. Donc, les écouteurs, hop, ils sont juste ici, mais je ne vais pas les utiliser. J'ai déjà une autre paire d'écouteurs Google. Donc bah, je vais laisser ça là tout simplement. Et enfin nous avons le chargeur, donc USB-C. On va venir pousser ça là, voilà. Le chargeur rapide 18 watts. Allez, on va venir remballer tout ça et je vais mettre ça de côté pour l'instant parce que nous allons déballer ce petit Google Pixel. Donc tac, Google nous indique carrément tout ce qu'il faut faire pour bien le déballer. Tac, avec... ici, la petite protection, hop là, voilà. Moi, je fais pas de, je fais pas d'ASMR, je suis désolé, hein, mais je comprends pas cette mode, voilà. Quelqu'un s'est mis à faire ça, et tout le monde s'est mis à faire ça. Donc, moi, non, voilà, je le fais pas, je suis à contre-courant. Donc, nous voici sur le Google Pixel 4 éteint, bien entendu. Personnellement, alors, il y en a énormément qui ont dit qu'il était affreusement moche et tout, que c'était n'importe quoi, c'était... grand maximum, un design de 2017, que le module photo, c'était moche, carré comme ça et tout. Moi, personnellement, eh ben, je dois avoir des goûts bizarres, en tout cas différents de vous, mais je le trouve très, très sympathique, vraiment très joli. Sur le côté, nous avons un noir mat, c'est de l'acier, j'ai l'impression, donc ça fait mat. Et le contraste entre l'avant brillant et l'arrière brillant, bah, je trouve ça pas mal. Au niveau prise en main, au niveau du toucher, bah, moi j'aime beaucoup personnellement. Le petit logo Google ici, le module en carré ici qui prend les, qui contient plutôt les deux capteurs photo, le grand angle et le téléobjectif. Personnellement, j'aurais préféré un ultra grand angle, mais bon, Google a préféré
préféré mettre un zoom. Le flash et un autre capteur ici, je crois que c'est un capteur laser pour la profondeur. Et du coup à l'avant, vous ne verrez pas, mais on a le grand front qui a fait là aussi grand débat chez ce téléphone, avec tout ce qui est capteur, donc le capteur photo de face, et tout ce qui est capteur de luminosité, capteur de proximité, et surtout le radar Soli, voilà, le haut-parleur juste ici. En dessous, haut-parleur, prise USB-C, pas de micro jack. Au-dessus, juste un petit micro, pas de jack non plus. Donc sur ce téléphone, il n'y aura pas de jack. Je suis en train de mettre mon doigt sur le capteur photo. Sur le côté gauche, on a juste la trappe SIM. Et du côté droit, nous avons les touches volume et le bouton d'alimentation en blanc, donc qui se différencie en blanc. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je le trouve plutôt joli. En petit comme ça, en plus, c'est un petit gabarit. Franchement, moi, je trouve ça appréciable. On peut l'utiliser une main, on n'a pas peur de le faire tomber. Et ça, pour coup, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti, on va l'allumer. Et on va prendre en main ce petit téléphone. Donc, en attendant qu'il s'allume, au niveau des caractéristiques, nous avons ici un Snapdragon 855. Il a aussi fait beaucoup couler d'encre. Beaucoup ont dit « Ah, c'est pas le cas de 855+, c'est n'importe quoi, machin et tout. » Un peu comme si c'était le Snapdragon 730 milieu de gamme qu'ils avaient mis dans ce téléphone. Alors que bon, clairement, 855+, c'est le 855, mais juste overclocké. Donc bon, pour moi, il n'y a pas mort d'homme. 6 Go de RAM, pardon, 6 Go de RAM. 64 Go de stockage, ça par contre, c'est vraiment très très limite. Surtout qu'ils ont enlevé... alors, je vais mettre ma carte SIM. Ils ont enlevé l'offre qui permettait d'avoir le stockage illimité sur le Google Photo en taille originale. Donc ça, franchement, c'est vraiment pas cool du tout. Gros, je mets un gros point rouge pour Google, parce que franchement, ça le fait pas. Et sachant qu'en Europe, du moins en France, on n'a pas le droit au Google Pixel en version 128 Go. Donc ouais, Google, pas bien du tout. Ah, j'ai mis direct bien, disons. Allez, c'est parti. Hop, la SIM est mise. Donc les deux capteurs photo 12 mégapixels. Il me semble que les deux font 12 mégapixels. Je suis pas sûr. Là, pour le coup, je vais aller vérifier. Donc c'est 12 mégapixels pour le grand angle et 16 mégapixels pour le téléobjectif. Le grand angle ouvre à 1.7 et le téléobjectif ouvre à 2.2. 8 mégapixels à l'avant en 2.0. On a un écran OLED de 5,7 pouces. Qui fait 1080 par 2280, donc pas de quad HD, ça c'est dommage. En tout cas, vu la batterie, vaut mieux pas. Hop, là on est somme sur la configuration, donc on va laisser faire le téléphone. On a un écran HDR 90 Hz, ça pour le coup c'est vraiment pas mal. Moi qui ai testé le 90 Hz sur des téléphones en boutique, franchement je trouve ça super cool. Il peut filmer en 4K 30 fps, mais pas 60, ça c'est dommage. 1080p en 60 fps, 120 fps max pour du ralenti. À l'avant, il peut filmer qu'en 1080 30 fps, ça c'est dommage. Alors suivant, impossible d'utiliser mon ancien téléphone parce que je l'ai rendu à la Fnac. Donc là on va rentrer son compte Gmail. Maintenant le mot de passe. Donc oui, j'accepte les conditions, sinon bah je peux pas utiliser le téléphone hein. On a aussi un radar Soli. Donc le radar Soli, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai ma sauvegarde Mi 9T Pro, c'est parti. Le radar Soli, ça va nous permettre en fait de contrôler le téléphone via des gestes sans le toucher. Donc l'exemple qui a été donné, c'est de passer les musiques en faisant un geste comme ceci. Donc franchement, niveau potentiel, c'est pas mal, c'est pas très bien exploité pour l'instant, c'est quand même sacrément dommage. Hop, le mot de passe de mon ancien téléphone, on va faire restaurer. Je pense qu'on est bientôt ready pour prendre en main ce téléphone au niveau de l'interface. Donc oui, on accepte, hein. Déjà, je vois que c'est du 90 Hz parce que niveau fluidité, on est pas mal. Ok, j'ai rentré mon code. Et là, on va enfin configurer Face Unlock, c'est ce que je voulais absolument avoir sur un téléphone parce que, ayant essayé et eu pendant plusieurs mois un iPhone X et ayant eu le Face ID, franchement c'est super pratique. Là j'ai du mal à m'en passer. Là c'est parti, on va faire suivant, démarrer, et là il faut qu'il voit notre tête. Là ça devrait être bon, donc on va venir, non, hop, ah, il veut que je tourne la tête, non, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je me rapproche du téléphone, voilà, ok, faut que je tourne moi la tête. Ok, c'est là, là, on y est presque. Ok, tout semble correct. Donc très rapide, pas de souci là-dessus. Continuez, voilà, on va faire accepter. Ok Google, ok Google, ok Google,
Ok Google. Yes, good job. On va continuer. Donc on peut toujours presser pour avoir l'assistance. Moi je vais mettre plutôt ferme parce que j'avais tendance à l'activer un peu trop facilement. Si je fais comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Comme ça, ça me paraît pas mal. Ok. Ah, les commandes gestuelles, du coup, avec Soli. Donc, on va l'activer, forcément, on va le tester. Pour un écran de verrouillage plus intelligent. Donc, normalement, dès qu'on approche la main, il va détecter que on veut prendre le téléphone. Et du coup, va activer tous les capteurs nécessaires pour pouvoir reconnaître notre tête plus rapidement. Donc, on va l'activer aussi et on va les tester. Hein. Alors, configurer autre chose. Je vais le faire parce que ça va être le téléphone que je vais tester tous les jours pendant plusieurs jours. Donc, je vais configurer tout ce qu'il faut et on se retrouve juste après pour voir un peu, pour voir au niveau des premières impressions, au niveau de l'interface et tout ça. Mais bon, je me fais pas trop de soucis, c'est Google pur et moi, j'avais adoré sur le Pixel 3 XL. Et voilà, suivant, plus d'astuces et de conseils, ça devrait aller. Retour à la page d'accueil. Ah, les nouveaux gestuels de chez Android, de chez Google, qui sont quand même, on va pas se le cacher, hein, très inspirés de chez Apple. Mais moi, ça me dérange absolument pas parce que ceux d'Apple, j'ai trouvé juste excellents. Donc, personnellement, qui copie quelque chose qui marche très bien, moi je m'en fous, hein, moi ça me dérange pas plus que ça. Et tac, voilà, le petit swipe, et nous arrivons sur l'interface de ce téléphone qui a l'air en tout cas vraiment pas mal. Donc je vais faire attention à ne pas divulguer non plus des numéros de téléphone, hein, j'ai pas envie que des gens se fassent harceler parce que des petits malins ont vu des numéros de téléphone. Donc l'interface qui a l'air d'être vraiment, c'est du Google quoi. Moi j'aime beaucoup personnellement l'interface Google pure. En tout cas nous sommes sur du 90 Hz. Là je le vois directement comparé au Xiaomi Mi 9T Pro où il y avait que du 60 Hz. Niveau fluidité ça n'a rien à voir. Ce qui est dommage c'est qu'au niveau de la mémoire on est sur l'UFC 3. Pas 3.0, du coup 2.1. Personnellement, je trouve ça dommage. Donc, j'ai rapproché le micro là, ça devrait être mieux. Donc, ils auraient pu quand même mettre du 3.0, quitte à mettre que 64 Go. Pourquoi ne pas mettre du 3.0? Là, Google, là aussi, font un peu les avares. Je voulais voir si on était bien en 90 Hz. Donc, affichage, niveau de luminosité 80%. Mais ça doit, voilà, ça s'adapte automatiquement. On va mettre le thème sombre, qui est un thème que j'adore beaucoup. Ah, là, on est pas mal. C'est beaucoup, beaucoup de gens ont demandé le thème sombre. Et ils l'ont enfin mis. Et au niveau du 90 Hz, où est-ce qu'on trouve ça? Affichage fluide, voilà, c'est ça. Augmente automatiquement la fréquence d'actualisation de 60 à 90 Hz pour certains contenus. Accroît l'utilisation de la batterie. Donc, il ne l'active pas tout le temps. Je sais que parfois, il le désactive tout simplement pour préserver la batterie. Et s'il n'y a pas besoin de 90 Hz, moi, je m'en fiche un peu. Hein. En termes de navigation, c'est cool, ça c'est clair. Par contre, si c'est sur des vidéos YouTube où on est limité en 60 Hz, qu'il limite en 60 Hz, tant qu'à faire, ça économisera de la batterie. Donc voilà, le petit thème sombre, derrière c'est animé. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est tester le radar Soli et le Face Unlock. Et ça marche très très bien. Hein. Je suis pourtant derrière l'appareil photo. Vous voyez, hein, on voit au reflet que une bonne partie de mon visage est caché et pourtant il arrive quand même à détecter du visage. Là ça marche pas. Ok. Je vais essayer vraiment de là. Ok, voilà, j'étais vraiment caché derrière l'appareil photo. Il n'a pas reconnu. Donc déjà ça me rassure un peu quand même. Et on va essayer. Donc là, le téléphone est posé, on a de l'Always On Display, hein, avec l'affichage de notifs et tout. Ah, là, il a détecté déjà que j'avais rapproché mon doigt. Donc on va le laisser tranquillement. Si je le rapproche et que je le soulève, ouais, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est vraiment très rapide, on le prend, tac,
et ça se déverrouille. Le seul souci, je trouve, c'est que ça se déverrouille du coup automatiquement et ça se met directement sur le bureau. Ce qui fait qu'on peut pas voir nos notifs directement sur l'écran de verrouillage. Et ça, je trouve ça dommage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer ? On a le bien-être numérique, donc pour voir combien de temps on est sur notre téléphone et tout. Niveau batterie, alors je vais pas aller par là. Niveau batterie, on en est où ? Je crois qu'on est à 43%, 42%. Ok. Il nous dit devrait durer jusqu'à 2h15, ce qui fait 6 heures d'utilisation, voire même plus d'ailleurs. Ça fait 8 heures d'utilisation. Donc on verra au niveau de la batterie ce que ça donne. Alors, ce qu'on va essayer, c'est aussi le radar Soli. Alors, est-ce qu'on a des musiques niveau musique. Ah voilà, très bien, hop, on va lancer. Donc on a la lumière en haut qui dit que le radar Soli est disponible. Si je fais ça, il passe pas. Ok, là ça passe. Alors par contre, pourquoi il reste sur la même musique? Ça ne marche peut-être pas avec Deezer. Il détecte en haut. Et là, il détecte pas. Ah, without me. Ah, si je fais aléatoire. Peut-être parce que... Yes. Ah, par contre. Alors, voilà. Non. Non. Plus haut, peut-être. Ah, là, il a détecté un truc. Ah, il a du mal, hein. Je... Ok, là, c'est bon, il a passé. Ok. Ça marche plutôt bien. De l'autre sens. Non. Ah, de l'autre sens, il a plus de mal. En fait, j'ai l'impression que du revers de la main, il a... Non. Ouais, je... Il a du mal, hein. Si je le pose et que je fais ça. Ou alors c'est peut-être sur, sur Deezer. Il ne peut faire que... Là ça marche super bien. Ah, j'ai été trop vite. Et si je fais comme ça? Non, à gauche il veut absolument pas. Hein. Non, il veut pas à gauche. Si je fais comme ça là. Qu'est-ce que je voulais voir? L'appareil photo. Là, autorisé seulement lorsque l'application est en cours. Là, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu tester ce téléphone. C'est vraiment pour l'appareil photo parce que sur le Pixel 3 XL, l'appareil photo était vraiment dingue. Et là, donc on a la double exposition. On peut changer. On a directement, enfin du moins, on a en direct ce que ça donne au niveau du changement. Donc là, au niveau de la lumière et au niveau des ombres, donc on peut augmenter, on peut diminuer. Donc moi, par exemple, je vais éclaircir la scène. Je sais pas moi, c'est beaucoup trop là. Là il est perdu. Il suit mon chaton. Par exemple, je fais ça. Hop. Donc ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça a l'air d'être pas mal. On a pas mal de détails en zoomant, ça c'est cool. Après c'est à tester, hein. Là je suis pas dans un environnement idéal, mais ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air plutôt bien. Hop là! Petite photo de la boîte. Alors pourquoi de la boîte, je ne sais pas, mais de la boîte. Hop! Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. Regardez-le, sa petite bouille. Ouh là là. On va faire une petite photo portrait. Et voilà, une photo en direct. Avec le petit flou derrière. Ah, il a perdu quelques cheveux. Hein. Il a perdu quelques cheveux. Par contre, j'ai l'impression qu'il lisse un peu ma peau, là. J'ai pas une peau aussi lisse, moi. On a la vision de nuit, mais là, bon, on n'est pas trop en nuit. Quoique, on va essayer, tiens. Qu'est-ce que ça donne? Elle me dit de pas bouger, mais... l'appareil photo normal. Par contre, je pense qu'on a plus de détails. C'est moins bruité. Quand je regarde là, comparé
Hop là. Comparer la photo là. Ouais, c'est pas la même. C'est pas la même. Et du coup, bah, pour la vidéo, c'est simple. Hein. Vous aurez juste à regarder l'intro et ce sera la qualité vidéo. Non, ensuite, panorama, photosphère, ralenti, accéléré et lens. Le classique, j'ai envie de dire. Et on a des configurations ici, donc avec le mouvement. Donc si jamais il détecte du mouvement, bah, il prend avant et après. Un peu comme ce qu'a fait l'iPhone à ses débuts. C'était... je sais même plus le nom d'ailleurs. On a un minuteur, on a le flash automatique. Le format, on a un peu plus d'options en allant ici avec les grilles, voilà, les gestes, machin et tout. Donc on peut changer ça. Et ce qui va être intéressant de tester aussi, je vais pouvoir le faire là tout de suite, mais c'est l'astrophotographie. Et je suis pressé d'essayer ça parce que ça a l'air d'être pas mal. Mais bon, entre les visuels presse et ce qu'on peut faire, parfois on peut avoir quelques petites surprises. Donc je préfère essayer. Chose que je peux dire, ce qui est... C'est au niveau de la chauffe, il chauffe un petit peu, mais bon, je pense que c'est avec toutes les mises à jour et toutes les installations et tout ça qu'il a à faire. Pourquoi il y a le radar solide? Il peut faire des trucs? Je sais pas. Ah, autre chose que je voulais essayer, c'est voir, parce que là, on peut changer la musique. On peut changer la musique, mais est-ce que écran éteint, on peut? Si je fais genre comme ça, je vais essayer plusieurs fois. Ah, si, il change. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, il change la musique. Même si le téléphone est verrouillé. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très intéressant. Mais en tout cas, ça marche plutôt pas mal. Il est en train de réinstaller toutes mes applis. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette prise en main. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, on se retrouve 2 jours après le déballage où j'ai utilisé le Google Pixel 4 tout le temps. Alors, sur ce Google Pixel 4, il y a 2 choses pour l'instant qui me fâchent. La première, c'est l'autonomie qui est juste décevante quand même. La première journée, je l'ai chargé à fond. Je l'ai débranché vers 9h, j'avais passé des coups de fil le matin, j'avais regardé un petit peu l'écran et j'étais descendu à 95%. Je l'ai remonté à 98% et j'étais parti faire des livraisons Stuart avec du coup utilisation de GPS pendant 2 heures. J'éteignais l'écran lors des trajets et je regardais évidemment l'écran quand j'avais des commandes. J'en ai profité pendant certains trajets pour prendre des photos, pour tester l'appareil photo. J'étais passé de 98% à 75%, donc c'était plutôt pas mal. Je me suis dit, ça n'a pas l'air trop dégueu. Malheureusement, je commençais à arriver en fin de batterie en soirée où j'étais descendu quand même vers les 30% et il était juste 21h. Donc, je me suis dit, ouais, c'est pas ouf. Surtout que j'ai regardé dans les paramètres de la batterie, il n'y avait que 3h30 d'écran allumé. Donc, ça fait un peu mal, quoi. C'est vraiment pas beaucoup. Deuxième journée, je l'avais chargé à 100%. Je l'ai débranché vers 8h. Et je commençais à me retrouver à court de batterie vers 17h. Ce qui est vraiment, là aussi, pas terrible parce que j'avais encore que 3h d'écran. Donc, niveau batterie, on est vraiment pas bien du tout. Ça change du Xiaomi Mi 9T Pro que j'avais avant où je pouvais passer toute la journée sans recharger. Il n'y avait aucun problème. Par exemple, là, je suis à 42%. Et si je vais regarder dans les paramètres... pour voir le temps d'écran allumé. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais pour 42%, je suis à 2h49 d'écran allumé. C'est vraiment pas terrible. Vous pouvez voir l'utilisation de mon téléphone que j'ai avec le bien-être numérique. Donc, c'est assez bien réparti entre différentes applications, hein, appareil photo, YouTube, Chrome, InnoReader, Le Bon Coin, Google, Discord, Gmail... Autre, le problème c'est que dans Autre, je ne sais pas ce qu'il range et je pense qu'il range par exemple les jeux. Mais je n'ai pas énormément joué pour l'instant avec ce téléphone, j'ai lancé juste 2 fois Pokémon Go et c'est tout. L'autre point qui me fâche, c'est le radar Soli. Alors, le radar Soli, comme vous avez pu voir dans la vidéo, quand j'ai essayé de le faire fonctionner, c'était pas terrible. J'ai réessayé depuis et ça marchait beaucoup mieux. Que ça soit vers la gauche ou vers la droite, ça marchait très bien. Il y avait encore quelques ratés, attention. Mais ça marchait beaucoup mieux. Vas-y là, tu fais le con de bouton sans moi, wesh. Attaque confrontale. Et d'où tu parles à mon public comme ça? Tu feras pas le malin avec moi, tu crois faire coller, tu crois faire coller. Et moi, le bitio comme ça, j'en mange tous les matins, ouais. Alors certes, c'est pratique pour changer les musiques ou éteindre les minuteurs et arrêter les minuteurs lorsqu'on fait de la cuisine, par exemple, et qu'on a les mains sales. Ça peut servir aussi lorsqu'on conduit pour changer la musique sans avoir à toucher le téléphone. Parce que je répète, mais on peut changer les musiques sur ce téléphone en laissant l'écran verrouillé. Et si je veux changer de musique, j'ai tout simplement à passer devant l'écran. Même s'il est verrouillé, on peut, bien entendu, changer de musique. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Et comme vous voyez, parfois, bah, y a des ratés, ils ne trouvent pas ma main. On peut revenir avant aussi.
Donc voilà. Il a réussi à déverrouiller l'écran alors que j'étais comme ça. Donc ça, c'est pratique, mais c'est tout. Et je vous avoue que j'ai pas pris ce téléphone pour tester la fonction du radar Soli avec Pikachu. Hein, on s'en fout un peu. Pourquoi, Google, vous n'utilisez pas ce système pour faire d'autres choses sur le téléphone? Par exemple, baisser le panneau des notifications, ou le relever, quitter une appli, permettre de faire un retour. Juste les gestes basiques, par exemple, pour naviguer sur le téléphone sans avoir à le toucher, ce serait déjà vraiment... pas mal, je trouve. Et je suis sûr que c'est faisable. J'espère qu'ils pensent sincèrement à intégrer ce genre de choses parce que il y a moyen de faire mieux. 3-4 ans de développement pour miniaturiser ce radar Soli et avoir que ça comme fonction, bah... pourquoi? C'est vraiment deux gros points qui fâchent, surtout pour la batterie. Et ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai envie d'utiliser ce téléphone. Pourquoi? Parce que déjà, la prise en main, moi, je la trouve juste excellente. 5,7 pouces, c'est un gabarit que j'aime beaucoup parce qu'on peut le prendre facilement en main. On peut facilement utiliser le téléphone, vous voyez, sans avoir trop de soucis de contorsionnement pour atteindre le bord de l'écran. On peut quasiment aller jusqu'en haut sans trop bouger la main. Bon, évidemment, le côté haut à gauche, seules les très grandes mains pourront l'atteindre et moi j'ai des petites mains. Surtout que niveau design sur les côtés, là, on a une tranche qui n'est pas en verre mais en métal et ça accroche plutôt pas mal. La sensation est très bonne et du coup, on sait quand on le tient sur les tranches et ça glisse pas du tout. N'a pas peur de le faire tomber, ce téléphone. Par contre, faites attention, je pense que ce bord-là peut très facilement s'abîmer, se rayer. Et je pense qu'il serait très sensible aux clés. Donc ne mettez pas ce téléphone avec des clés dans la même poche. Je pense que les clés peuvent rayer facilement ça. Eh, dis, mais qu'est-ce que je retrouve là? Allez, viens sur mon dos. Je te laisse sur mon dos si tu fais pas de bêtises. Le dos au vert, personnellement, ça me dérange pas trop. Certes, ça prend les traces de doigts. Mais je pense que ça se raye moins facilement ou s'attache moins facilement qu'un dos mat. Après, bah, c'est deux approches différentes, hein, chacun ses goûts. Les deux, moi j'adore, hein. J'ai vu ce que ça donne sur l'iPhone 11 Pro et j'adore beaucoup aussi le dos mat. Surtout que là, on a le Fasten Lock ici qui marche extrêmement bien, ça détecte très rapidement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, tout à l'heure, ça s'est déverrouillé parce que j'avais le Smart Lock et comme il détectait que j'avais dans la main, eh ben, il se déverrouillait tout seul. Il n'y avait pas besoin de Fasten Lock ou de code. Mais comme vous pouvez voir, il marche très bien à l'endroit, mais il peut aussi marcher sur le côté, il peut même marcher aussi à l'envers. Ça, c'est pas mal. Hein, pour preuve que s'il me voit pas, hein, bah, il demande le code. Chose par contre, là, qui me dérange un peu plus, bon, c'est une habitude, mais j'avais l'habitude avec Face ID sur l'iPhone, c'est que on allumait et on pouvait voir nos notifs ici, on voyait juste message et on voyait pas le contenu. Et il fallait que Face ID reconnaisse le visage et on pouvait accéder au contenu des notifs. Là, ce n'est pas le cas. La seule chose qu'on peut avoir, c'est des petites icônes qui se trouvent ici. Et si on regarde, eh ben, ça déverrouille directement sur le bureau. Il n'y a pas moyen de rester sur l'écran de verrouillage et juste de regarder les notifs dessus. Donc ça, c'est dommage. Ce qui fait que bah, on est obligé de dérouler le panneau de notification pour voir les notifs. Et l'une des seules choses qui est dommage avec ces... l'enculé, le casque quoi. Et l'autre chose qui est un peu dommage sur ce téléphone, c'est au niveau du multitâche où il faut aller tout à gauche pour tout effacer. Pourquoi pas mettre un petit truc en bas ou en haut? Là non plus, je ne sais pas. Mais après, le reste, c'est de l'Android pur. Et franchement, j'adore. C'est facile à utiliser. C'est rapide, c'est réactif, c'est fluide. Il n'y a pas d'accroche. Et il chauffe pas du tout. Vous avez pu remarquer que j'avais dit qu'il chauffait. Et ça, c'était au premier démarrage où il téléchargeait toutes les applications, tous mes mails, etc. Il fallait qu'il restaure absolument tout. Il avait chauffé légèrement, mais il avait chauffé un petit peu. Et depuis 2 jours que je l'ai, bah, j'ai ressenti aucune chauffe. Mais vraiment aucune. Après, j'ai pas fait beaucoup de jeux. Faut que je le teste en jeu. Mais en tout cas... j'ai rien senti. L'écran est très beau, c'est très agréable de voir les photos sur ce téléphone, sachant qu'il prend d'excellentes photos. Je vous ai pris plusieurs photos lorsque je me baladais en vélo, lorsque je faisais mes livraisons Stuart. À vous de juger sur la photo, je ne suis pas un pro, mais moi je les trouve très jolies. Je n'ai pas encore pu essayer le mode nuit et le mode astrophotographie, mais promis, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ça. Vous avez pu voir aussi la qualité vidéo lors de l'intro, mais vous pourrez aussi la voir sur la vidéo que je ferai sur la Tesla 3 que j'ai pu essayer. Mon impression après 2 jours, c'est que bah, je suis frustré, surtout par la batterie pour l'instant. Le fait que je dois faire super attention si j'ai pas mon chargeur sur moi et que je peux pas le recharger là où je suis, et bah, c'est quand même franchement dommage. Alors que bah, j'ai envie de toucher à ce téléphone, d'essayer des trucs, de le manipuler, de jouer avec. Sinon, c'est pour l'instant un très bon téléphone.
Est-ce que je le recommande? Je ne sais pas pour l'instant. Laissez-moi l'essayer un peu plus. En tout cas, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des questions et je pourrais peut-être vous y répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai d'être un peu plus complet. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et à nous rejoindre sur le serveur Discord. Et moi, je vous le dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Dis au revoir. Non, je dirais pas au revoir. Au revoir. Je t'ai dit que je dirais pas au revoir, bordel. Et je t'ai pas dit de me mordre.